Salut là-bas et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne en mode distanciation sociale. Je suis pas si loin de toi que ça, Sonia, grâce à cet écran. Comment est-ce que ça va ? Eh ben ça va, Rafal, on est encore trop loin l'un de l'autre. Malheureusement, ça va bien après cette première semaine de déconfinement. Alors pour nous, toujours impossible de se rassembler dans les lieux publics, mais on est toujours là. On continue chaque semaine, on se retrouve avec Raph et nos invités et bien pour prendre le pouls de la société française. Et cette semaine, on va s'intéresser à la jeunesse, Raph. Les étudiants ont-ils perdu leur année et que vaudront leurs diplômes sur le marché du travail? D'ailleurs, est-ce qu'ils s'inquiètent de leur avenir professionnel? Les 18-30 ans seront-ils la génération récession? On parle de tout ça dans votre émission qui, plus que jamais, est la vôtre. La preuve aussi ici, mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk sur Twitter ou alors en likant notre page officielle directement sur Facebook. Ce qu'il a fait évidemment notre cartooniste cette semaine. Ah bah oui, puisque lui c'est un as des réseaux sociaux. Comment ça va, Mikaya ? Hello, ça va, tout va très bien, merci, quel plaisir de vous revoir. Ah bah, nous on a aussi envie de revoir tes dessins, un premier dessin pour lancer notre débat s'il te plaît. Et oui, à la question quel avenir pour la nouvelle génération, un peu d'angoisse, un enfant qui va naître, le médecin qui dit pour la dernière fois « arrête de faire l'enfant, il sort », et lui qui même pas en rêve. Et on comprend les hésitations et les inquiétudes de ce bébé. La jeunesse française est de plein fouet touchée par cette crise, perte des petits boulots, difficulté à trouver un stage, inquiétude évidemment sur l'avenir et l'orientation professionnelle. Les chiffres de la crise chez les jeunes, on regarde, c'est le data flash de Juliette Jean et on se retrouve juste après. Les jeunes sont les moins touchés par la pandémie, mais ils subissent la crise économique de plein fouet. Suite aux mesures de confinement, 19% d'entre eux ont perdu leur stage, alternance ou contrat. Des petits boulots qui souvent leur permettent de subvenir à leurs besoins en parallèle de leurs cours. 700 000 jeunes ont terminé leurs études et entrent sur le marché du travail cette année. Ils seront les premières victimes de la hausse inévitable du chômage. Pour ces raisons, près d'un tiers d'entre eux ont dû repenser leur orientation professionnelle. Mais l'impact de la crise touche les jeunes de façon inégale. Perte de revenus, éloignement familial, fermeture des restaurants universitaires, les étudiants originaires d'un territoire d'outre-mer font partie des premiers à subir les conséquences du confinement. Parmi les 40 000 ultramarins qui étudient en métropole, sur l'année 2018-2019, 41% étaient boursiers contre 37,5% pour l'ensemble des étudiants français. Pour les soutenir, le gouvernement a annoncé le versement de 200 euros à 800 000 jeunes précaires, dont les ultramarins, qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Alors, 2020 sera-t-elle l'année de naissance d'une génération récession ? Eh oui, avec cette pandémie, va-t-on vers une génération récession, une génération sacrifiée ? On vous présente nos experts et nos témoins. Je vais commencer par une héroïne de cette génération récession. Je la vois, Océane, qui est là, qui fête son anniversaire. Aujourd'hui, on te souhaite d'abord un joyeux anniversaire, Océane. Bon anniversaire. Avec nous, Océane Jatfar. Toi, tu habites Bémao, en Guadeloupe, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et tu fais des études pour devenir prof de quoi ? De danse jazz. Ah, super. Alors, si tu devais donner un mot pour qualifier ton confinement, tu dirais quoi ? Compliqué. Je pense que c'est le mot qui résume complètement. C'était vraiment compliqué au début. Après, bon, on n'a pas le choix, donc il a fallu s'adapter. Mais voilà. Merci d'être là avec nous, en tout cas aujourd'hui, Océane. On a Ramachandra Oviod Sioux, également étudiant d'origine ultramarine. Ramachandra, vous avez 21 ans, vous êtes étudiant en droit en troisième année de licence à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes également président de l'Institut Gaston Monnerville, un think tank des Outre-mer. Vous êtes originaire de La Réunion, Ramachandra. Mais alors vous, vous êtes resté pendant le confinement en métropole. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors, il est vrai que la question s'est posée dès l'annonce du confinement de ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais rentrer chez moi ou demeurer à Paris? Alors, j'ai fait le choix de rester à Paris donc pour deux raisons principales. Donc, évidemment, une question sanitaire avec les risques que je prenais pour moi-même et que je pouvais faire prendre à ma famille en faisant cela, mais aussi avec une inconnue. Je ne savais pas comment j'allais passer ces examens et donc j'ai fait le choix en responsabilité de rester à Paris en effet. Et alors, si tu dois résumer ton confinement comme Océane en un seul mot? Je dirais épuisant, vraiment. Bon, on imagine pourquoi, hein, mais tu vas pouvoir nous en parler dans quelques instants. Avant ça, je voudrais aller vers une autre étudiante, parce qu'on l'a dit, hein, beaucoup d'étudiants ultramarins sont restés en métropole, et c'est le cas de Valérie qui, elle, est en troisième année de licence de sciences politiques, si je ne me trompe pas, à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Elle est aussi originaire de La Réunion, et elle s'inquiète, hein, de cette année qu'elle dit en grande partie perdue. Regardez. Actuellement, je ne sais toujours pas comment vont se dérouler mes examens. Ce sera certainement sous forme de devoirs maison à rendre sous 15 jours. J'ai la chance d'avoir un ordinateur qui fonctionne, une bonne connexion Internet, et ça me permet justement de consulter régulièrement mes cours qui sont postés chaque semaine sur mon espace étudiant. Est-ce que je considère cette année comme une année blanche? Malheureusement, oui. Mon premier semestre a été perturbé par la grève des transports, les mobilisations, et mon second semestre se retrouve bouleversé par cette crise sanitaire. Donc j'estime que cette année n'a pas été aussi productive que prévu. Et c'est vrai qu'entre les grèves dans les transports et cette crise liée à la pandémie, beaucoup d'étudiants sont dans ce cas, hein, et ont le sentiment d'avoir un peu perdu leur année. Est-ce que c'est votre cas, vous aussi, Océane? Ça complique énormément de choses. J'étudie là-dedans, c'est vrai que par visioconférence, c'est compliqué. On n'a pas le contact, on ne peut pas se voir réellement, puisqu'on a vraiment besoin de lire nos corps. Et c'est assez compliqué avec tout ce qui se passe. On va poser la même question à Ramachandra. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir perdu ton année, camarade? Alors, pour le coup, moi, non. Mais c'est vrai qu'il y a des situations très spécifiques à certaines universités. Je suis dans une faculté qui a réussi à s'adapter assez vite, donc tant pendant les grèves pour les examens que pendant le confinement, en usant de tous les outils numériques pour pouvoir poursuivre les cours. Je sais que j'ai pu avoir des cours et avoir des examens qui me permettront de valider cette année. Donc, à ce niveau-là, pour moi, ça va quand même. On va aller vers Arthur Juatou, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Arthur, vous êtes maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris Nord en sciences sanitaires et sociales. Vous avez essayé de comprendre justement le quotidien de ces jeunes étudiants pendant le confinement grâce à un questionnaire en ligne. Combien d'étudiants ont répondu à ce questionnaire et qu'est-ce que ça vous a appris sur la manière dont s'est déroulé leur confinement? Alors bonjour, donc ce questionnaire, en fait, c'est un questionnaire qu'on a passé à peu près à nos 500 étudiants, donc dans une filière de sciences sanitaires et sociales, avec beaucoup d'étudiantes, donc à 95% des filles, et des classes populaires, parce qu'on est une université de Seine-Saint-Denis. Là, pour le coup, de ne plus voir les étudiants, de ne plus pouvoir discuter avec eux, ça nécessitait d'aller chercher un petit peu dans le détail leurs conditions de vie, de comprendre un petit peu, aussi pour s'adapter d'ailleurs pour ces questions d'examen, de poursuite des cours à distance, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ce qu'on a vu, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants en fait, qui vivent dans des foyers assez nombreux, d'ailleurs, avec une moyenne de 5 personnes dans les foyers de nos étudiants. Et du coup, des étudiants qui se sont retrouvés en situation d'aidant à ce moment-là, c'est-à-dire d'étudiants qui, d'habitude, peut-être ne passaient pas autant de temps à faire les devoirs de leurs frères et sœurs et qui, là, se retrouvaient à assurer la continuité pédagogique pour les petits ou alors à aider des parents malades, par exemple. Et d'autres étudiants exposés au sens où c'est des étudiants qui ont continué, en fait, leur job à l'extérieur, puisqu'on a pas mal d'étudiants, en fait, qui sont soit caissiers, caissières de supermarché ou aides-soignants les week-ends, parfois la semaine, à l'hôpital, dans des EHPAD, etc. Et donc, en fait, qui sont retrouvés dans ce qu'on a appelé en première ligne. On va pouvoir revenir sur ton enquête tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous, Arthur. J'aimerais bien qu'on donne la parole à Elno Herrier, qui est vice-président du syndicat étudiant l'UNEF. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu es l'ex-président de l'UNEF Réunion. C'est ça, tout à fait. Avant de venir au niveau national et avec mes responsabilités, j'étais président de la section locale à La Réunion. Bon, bah merci en tout cas d'être avec nous. On l'entend depuis le début de l'émission, Elno, les étudiants sont touchés par cette crise à plusieurs titres.
sans parler de ces 700 000 jeunes qui vont sortir cette année de formation et seront les premières victimes inévitables de la hausse du chômage. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur cette crise ? Déjà que en fait, cette crise sanitaire, elle a exacerbé encore plus les problèmes de précarité qui existent dans le milieu étudiant. Et on voit que depuis pas mal d'années maintenant, cette précarité étudiante, elle augmente. C'est dû à plusieurs choses. C'est les problèmes de logement, les problématiques de comment est-ce qu'on arrive à joindre les deux bouts. Et bien entendu, donc, cette crise sanitaire, elle a exacerbé tout ça avec non seulement des étudiants qui ont perdu leur emploi, leur stage gratifié ou tout simplement qui peuvent beaucoup moins bénéficier de la solidarité familiale et pourtant ils en avaient besoin. C'est aussi tous ces étudiants qui connaissent une fracture numérique et dans toutes les universités, on en voit un certain nombre. Et donc, tout ça avec la continuité pédagogique a quand même été très compliqué. Non mais attends, Elno, tu as dû entendre quand même cette bonne nouvelle, j'imagine, une prime de 200 euros annoncée par le gouvernement, ça va toucher 800 000 jeunes de moins de 25 ans en difficulté. Est-ce que ça te convient, toi ? Ah, pour le coup, c'est plutôt positif puisque, en effet, cette aide, on la demande depuis le début de la crise sanitaire. Donc, même si elle arrive un peu tard, c'est quand même une mesure à saluer. Même si, pour nous, elle serait encore à améliorer dans le sens où 200 euros, c'est quand même largement insuffisant par rapport à, par exemple, le salaire moyen que touche un étudiant. Ça va environ à 750 euros. Un stage gratifié, lorsqu'il y a une rupture de stage, c'est environ 540 euros. Maintenant, il faut aller plus loin et nous, en tout cas, c'est ce qu'on demande. Là, on est à environ un investissement de 160 millions d'euros qui a été fait. Ça voudrait dire, si en plus on veut inversement jusqu'à juillet, donc sur 3 mois à minima pour essayer de limiter les impacts, c'est au moins plus de 500 millions d'euros qu'il faudrait mettre sur la table. Alors, on va vous entendre à présent, Dominique Marchand. On rappelle donc que vous êtes la présidente du CNUS, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Vous entendez, évidemment, ces craintes, ces inquiétudes depuis 2 mois ? Oui. Je pense que je peux rejoindre beaucoup de choses qui ont été dites jusque-là. Vous voyez, j'ai 2 chiffres en tête. Aujourd'hui, si je prends Tille-Guyane, les chambres ne sont plus remplies qu'à 12% à peu près, alors qu'à Paris, par exemple, elles sont encore à hauteur de 40 à 50%, donc 40 à 50% des étudiants qui ont choisi de rester. Donc étudiants, bien sûr, quelle que soit leur origine. Et c'est pourquoi nous avons essayé de développer tout un tas d'actions pour rester en contact avec des étudiants parce que ça nous semblait absolument majeur. Et donc, tous les CRUS ont fait des opérations de phoning avec les personnels des secrétariats et autres qui appelaient les étudiants 1 fois, 2 fois par semaine, du porte-à-porte, c'est-à-dire vraiment les agents qui allaient toquer à la porte de l'étudiant pour savoir si tout allait bien, etc. Dominique, comment est-ce qu'on maintient un certain niveau de vie, hein ? C'est pas un secret, on sait que les étudiants sont quand même souvent ric-rac. On a parlé de cette fameuse prime gouvernementale de 200 euros. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, il y a plusieurs sujets, parce qu'il y a cette aide, effectivement, que nous allons mettre en œuvre très, 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 très rapidement. C'est quoi très rapidement ? Ah, ben c'est dans les jours qui viennent, dans la semaine en tout cas. Nous avons développé très rapidement une plateforme qui va permettre aux étudiants, en allant se connecter très simplement sur étudiants.gouv.fr, ce qu'ils ont largement l'habitude de faire. Il suffit qu'ils remplissent un formulaire, qu'ils déposent des pièces justificatives, soit pour attester qu'ils ont perdu leur job, soit pour attester qu'ils ont perdu un stage. Et puis, toute la chaîne d'instruction va se mettre tout de suite en route jusqu'au paiement. Je vous ai vu lever la main. Vous voulez prendre la parole ? On sait que quand on a une crise, et en fait, on l'a vu en 2008 avec la crise économique de 2008, pendant plusieurs années après, c'est les plus précaires et donc en fait souvent les jeunes, ceux qui entrent sur le marché du travail avec des contrats instables, qui sont les perdants en fait. Et puis de manière générale, et il y a des associations aujourd'hui qui le demandent, des politiques aussi qui le demandent, réfléchir peut-être à ouvrir par exemple le RSA à au moins de 25 ans, ce qui est quand même très problématique aujourd'hui d'avoir des jeunes qui sont exclus de ce type de filet de sécurité qui sont pourtant essentiels, on le sait, pour les plus de 25 ans, pourquoi les jeunes sont discriminés du côté de ces aides sociales. Donc tout ça pour dire que c'est sans doute très bien d'avoir une aide ponctuelle, mais qu'il faudrait réfléchir à des aides de long terme parce qu'on a devant nous sans doute plusieurs mois, voire plusieurs années de difficultés économiques pour les jeunes.
Dominique Marchand, évidemment, 200 euros, c'est bien, mais ça va permettre voilà, juste de colmater l'urgence là tout de suite. Mais voilà, sur le moyen, sur le long terme, est-ce qu'on peut réfléchir, est-ce qu'on peut imaginer mettre des choses en place ? Depuis des semaines et des semaines, nous sommes extrêmement mobilisés pour apporter un soutien aux étudiants en fonction d'un autre levier qui s'appelle les aides spécifiques, qui représentent en moyenne annuelle 48 millions d'euros à peu près, que la ministre a abondé de 10 millions d'euros il y a quelques semaines. Et tous nos services sociaux sont extrêmement mobilisés. Après, sur le plus long terme, et par rapport à ce qui vient d'être évoqué, effectivement, pour y avoir participé, les travaux qui étaient menés au titre du revenu universel d'activité, donc REA, incluaient cette réflexion qui vient d'être évoquée sur la possibilité d'ouvrir le RSA ou l'équivalent du RSA aux jeunes et notamment y compris aux étudiants, aux jeunes de 25 ans. Ce sont des réflexions qui sont en cours et qui sont menées à l'interministériel. Et on va donner la parole à quelqu'un qui n'est pas étudiant, puisqu'il y en a beaucoup là dans ce multiplex Flash Talk, c'est Chris Portu qui est là. Comment ça va, Chris ? Ça va bien, merci. Vous allez dire, les étudiants n'ont pas le monopole de l'inquiétude. Hein. J'imagine que c'est un état d'esprit qui touche toute la jeunesse française. Quel âge tu as, toi ? 26 ans. 26 ans. Oh là là, bah, tu n'es même pas dans les 25 ans, toi. pour cette histoire de prime. Si tu l'espérais, ta prime de 100 euros, c'est fichu pour toi, Chris. Hein. Ah oui, là, non, là, c'est complètement fichu. Hein. Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? Alors là, ben, je suis DJ. Hein. On va dire que je vis de ma passion. Là. Donc voilà, et avec le confinement, c'est compliqué vu que ben, tous les établissements de la nuit sont fermés et que le gouvernement, ils ont donné une prime pour les auto-entrepreneurs. Mais vu que moi, je me suis déclaré un peu tard, donc je ne peux pas en bénéficier. Donc, tu n'as aucune aide ? Aucune aide. Aucune. Même pas le RSA, ni le Pôle emploi, rien. D'où est-ce que tu nous appelles, toi ? De Corbeil-Essonne, dans le 9-1. Mais j'entends un petit accent guyanais, je ne me trompe pas, non ? Oui, je suis guyanais, oui, je suis né en Guyane. Ça va faire 4 ans que je suis en France, que je suis installé en France. Tu n'as pas l'impression d'être en galère, toi ? Non, là, je suis complètement en galère. Avec le confinement, c'est compliqué, mais après, on trouve des solutions. Ma famille aussi, qui m'aide aussi, mes parents qui m'envoient des sous, heureusement qu'ils sont là. Donc. Donc, ouais, tu vois, tu parles de parents, excusez-moi, hein, j'ai ma fille qui vient d'arriver pendant l'enregistrement, ma chérie. On parle de la génération sacrifiée. Toi, tu as 5 ans, tu as encore quelques années avant de revenir. Océane, pour qu'on comprenne bien, tu danses, voilà, tu fais des missions ponctuelles où tu danses pour gagner un peu ta vie, pour payer tes études, c'est ça ? Alors, je suis étudiante en formation pour avoir mon diplôme. Et à côté, donc, j'ai toujours dansé et j'ai réussi cette année, l'année 2019, à faire mes 507 heures qui me donnent droit à mon statut d'intermittent. Donc en fait, c'est un peu, je suis un peu comme Chris, quoi. Je vis de ma passion. Et alors, comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, Océane ? Tu la vois évidemment en dansant l'avenir, évidemment, comme dans La La Land, mais plutôt en gris ou plutôt en rose ? Pour le moment, c'est plutôt en gris. Hein. C'est vraiment mis en suspens. Donc, puisqu'on peut pas, je ne peux pas retourner à l'école non plus. Le monde du spectacle et de la culture, c'est à l'arrêt. On ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va reprendre. Puisque c'est un secteur, c'est un peu compliqué de respecter la distanciation sociale, etc. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau professionnel, je suis un peu embêtée, quoi. Mais alors, comment tu te débrouilles en ce moment ? Tu touches ton allocation d'intermittence ? Je la touche toujours. Donc, pour le moment, mon allocation me permet de vivre, de m'occuper de mes charges, etc. Mais sinon, voilà. Sinon, je suis complètement à l'arrêt. Le niveau scolaire, j'arrive un peu à m'en sortir puisque je peux réviser. Mais voilà. Tu as entendu, j'imagine, Océane, que le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé il y a quelques jours que les intermittents pourraient conserver ce statut jusqu'à normalement août 2021. Ramachandra, toi, comment tu t'en sors financièrement ? Est-ce que tu sais si tu vas avoir droit à cette prime ? Est-ce que tu vas la demander ? Comment est-ce que tu vas t'organiser ?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir des parents qui peuvent me soutenir financièrement dans mes études. Mais je souhaiterais préciser justement et c'est la situation des étudiants ultramarins parmi ces étudiants, parce que c'est vrai que c'est un public très particulier qui cumule les tares. Donc, ce sont des jeunes qui souvent doivent quitter leur famille et pour venir étudier ici. Et donc, ils se retrouvent à des milliers de kilomètres de chez eux, dans des situations parfois très compliquées. Déjà, en temps normal, ce sont des étudiants qui sont dans l'incapacité de retourner le week-end ou pendant les vacances dans leur famille. Et là, ils se retrouvent du jour au lendemain à devoir faire des choix. Donc, face à ce confinement, c'était je rentre chez moi, je prends des risques, ou je reste et j'assume la difficulté de cette tâche-là. Et donc, cette aide est bienvenue pour eux, mais il n'empêche que oui, cette situation particulière des étudiants ultramarins devra être prise en compte dans la réflexion plus globale qui va avoir lieu dans les prochaines semaines sur des dispositifs de plus long terme, donc, comme on disait, d'aide aux étudiants. Donc, voilà un peu les perspectives pour l'avenir. Et je pose cette question aux plus jeunes là, qui sont là dans notre émission avec nous, mais est-ce que cette pandémie vous a forcé à réfléchir autrement, peut-être à une réorientation, à un changement de projet professionnel ou changement dans les études. Elno, par exemple, est-ce que tu t'es dit que tu allais changer de voie ? Alors, c'est vrai que je pense que cette période, elle était quand même propice à se poser des questions. Et moi, c'est plus sur l'état global de la société, quoi. Et c'est sûr que dans une période comme ça, qui, au-delà de demander de la solidarité et tout, nous montre aussi finalement certaines failles, mais aussi comment est-ce qu'on pourrait peut-être vivre autrement ou faire d'autres choses. Je suis plutôt en fin de parcours universitaire, donc je savais ce que je voulais faire ensuite. C'est plus sur la société en général. Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite, Elno ? Le même métier que vous, j'aimerais être journaliste. Ah ! Oh ! Bon courage ! Et Chris, alors, est-ce que tu t'es réinterrogé, toi, et tu t'es dit, est-ce qu'à un moment, cette crise va m'obliger à lâcher les platines ? Ah oui, mais dans tous les cas, je me suis toujours dit que je ne vais pas faire ça toute ma vie, que je compte reprendre mes études, et voilà. Parce que moi, de base, je veux reprendre mes études pour faire ensuite une licence STAPS, et ensuite pour devenir prof de PS, quoi, prof de sport. Donc, c'est et fais-le maintenant, parce que tu peux peut-être demander la prime comme ça. Ouais. C'est jamais, hein. Et vous, Arthur, quels sont les retours que vous avez jusqu'à présent de vos étudiants ? Je le reprécise, hein, vous êtes maître de conférence en sciences sanitaires et sociales. Vous nous avez expliqué au début de cette émission qu'il y a un certain nombre de vos étudiants qui sont déjà étudiants, étudiantes, qui sont déjà aides-soignantes, qui travaillent dans des EHPAD. Est-ce que cette crise a plutôt renforcé leur vocation ou est-ce qu'au contraire, ils se demandent s'ils vont bien continuer dans cette voie-là ? La question qui va se poser dans les années à venir, c'est plus celle de la durée des études pour des étudiants, par exemple, qui sont en situation précaire, etc. C'est-à-dire comment on fait pour aller jusqu'au bout d'études quand on a du mal à les payer, quand on a du mal à assurer dans ces conditions. Je voudrais juste sortir un chiffre quand même du questionnaire. Le fait qu'on ait un tiers de nos étudiants qui nous ont dit, là, pendant cette période de confinement, avoir eu des difficultés financières nouvelles par rapport à ce qu'ils connaissaient avant. Et ces difficultés financières nouvelles, en fait, c'est par exemple tous ces étudiants qui n'ont pas d'emploi déclaré, par exemple. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui font du babysitting non déclaré, etc. Et qui vont se retrouver évidemment non reconnus par les dispositifs d'aide de l'État, de ce fait, forcément. Et par ailleurs, sans perspective d'emploi à court terme, parce que les choses sont à l'arrêt, etc. Dominique Marchand, vous nous disiez tout à l'heure, il y a une réflexion qui est déjà engagée. Est-ce que vous avez le sentiment que les problématiques qu'on a évoquées au cours de cette émission sont prises en compte au sein du gouvernement, qu'il y a une réflexion, qu'il y a une volonté d'essayer de prendre en charge ces problématiques ? Je suis absolument convaincue que le gouvernement est sensible. Cette aide. Et d'ailleurs, je précise au passage que pour les étudiants ultramarins, j'évoquais tout à l'heure la façon dont ça allait se passer pour eux. La brique sera tout à fait spécifique. Je le souligne pour qu'ils le sachent. Hein. Il y aura une brique pour les paires de job et les paires de stage et une brique dédiée spécifiquement aux étudiants ultramarins. Donc tout ça pour
Vous dire en synthèse que oui, et en tout cas, moi qui suis en relation étroite avec le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est normal puisque c'est mon rôle d'établissement public national, je peux vous confirmer que toutes ces dimensions-là sont prises en compte, oui. Vraiment. On arrive déjà à la fin de cette émission, de cette discussion. On va aller voir quelqu'un qui réclame une prime, hein, mais on ne peut pas lui donner. Hein, c'est la crise pour tout le monde, hein, Mikaya, notre cartooniste cette semaine. On va conclure avec tes dessins, s'il te plaît. Oui, on a vu que la pandémie pose beaucoup de questions et d'angoisses. On a même parlé de génération sacrifiée. Alors, j'espère que ça n'arrivera pas. Des parents devant leur enfant angoissé, ça ne va pas être simple pour l'inscrire en crèche et plus tard à Pôle emploi. On espère que ça ne sera pas le cas. Un dernier dessin pour conclure alors, Mikaya. Oui, de façon plus optimiste, puisqu'on sait que la vie étudiantine va reprendre son cours. Alors j'imagine deux étudiants masqués, un qui dit « Je vais en FI4 pour mon cours recherche-développement dans l'art de fouiller les poubelles » et l'autre qui dit « Moi j'ai un TD survie et mendicité en distanciation sociale ». Waouh, ça pourrait être une affiche de l'UNEF, hein, Elno. Hein. On vous les passe, hein, si vous voulez. Hein. Pourquoi pas. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat Flash Talk. Merci à nos experts, à nos citoyens. On souhaite évidemment bon courage et bonne chance à tous les étudiants, à tous les jeunes de manière générale, aux 700 000 jeunes qui vont débarquer cet été sur le marché du travail. Et on imagine que ça sera compliqué pour eux. Accrochez-vous et nous on se retrouve très bientôt, Raph. Ouais, on est ensemble, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre Flash Talk en mode distanciation sociale. Salut ! Ciao !